Ah, vous êtes réveillé. Avec ces soins, vous allez vite reprendre des forces. Que vous est-il arrivé? Un obus est tombé à seulement un mètre de moi. Comme on dit, au mauvais endroit, au mauvais moment. Je sais combien la guerre est difficile. J'ai vu tellement d'horreurs. Tenez, un peu d'eau vous fera du bien. J'ai trop faim. La même. Elle était pas sèche, la feuille. Je crois que t'as raison. Bah, venez, les gens, on réessaye. Bah, vous voyez, je suis pas folle. Bah, mais ça veut pas dire que t'es pas bizarre. T'avais raison. Je voulais pas qu'on prenne un peu d'eau dans une gourde. Comme ça, on montrera la prof de physique. Ouais. C'est bon! Madame, on a un truc à vous dire. On a trouvé une eau. On la trouve bizarre. On a fait tomber une feuille morte dans l'eau et elle est redevenue verte. Vous vous moquez de moi? Non, bien sûr. Où l'avez-vous trouvée? Près de la cascade, en jouant. Je vous préviens, si c'est une blague, je vous mets un mot dans le carnet. Je m'en occupe. Merci, madame. Revenez à la fin des cours. On irait pas au CDI? Moi aussi, on va peut-être trouver des trucs. Ah ouais, okay. Pas bête. J'ai rien trouvé, et vous? Moi non plus, ça m'énerve. On ne trouvera jamais. Vous cherchez quelque chose? Non, rien. Très bien. Si vous avez besoin du moindre renseignement, n'hésitez pas. Et vous me rangerez tout ce bazar. Oui. Faut faire vite, ça va bientôt sonner. Ça sert à rien. Venez voir, j'ai trouvé. Comment? C'est impossible. Wow. C'est lui? Il est censé être mort depuis longtemps. Faut qu'on aille voir la prof. J'ai trouvé des choses bizarres dans ce liquide. Et c'est pas tout, madame. On a aussi trouvé cette photo. C'est l'homme qui nous a agressé à la cascade, là où on a trouvé l'eau. Et regardez, il devrait être mort depuis longtemps. Pouvez-vous m'emmener à cette cascade? Il faut absolument que je vois ça. Faites attention, je sais pas qui c'est. Restez derrière moi. N'ayez crainte, je ne veux aucun mal. Enfin, tant que vous n'approchez pas de la cascade. Pourquoi? C'est qu'une cascade. C'est vrai ça, pourquoi vous nous avez menacés l'autre jour? Mais pour vous protéger. Je comprends pas, nous protéger de quoi? Mais d'une malédiction. Mais quelle malédiction? Il y a 100 ans de cela, j'ai été condamnée à la vie éternelle. Mais comment est-ce possible? Il y a 100 ans, pendant la guerre, une infirmière m'a donné à boire de l'eau de cette cascade. Et depuis ce jour, je suis condamnée à la vie éternelle. Mais c'est grave cool. Cool? Mais c'est un véritable enfer. C'est pour cela que depuis 100 ans, je protège quiconque voudrait boire l'eau de cette cascade. Alors en fait, vous n'êtes pas méchant. Vous vouliez simplement nous protéger? Effectivement. Mais mon soin le plus cher serait de retrouver ma bien-aimée, Pénélope. Pour vous remercier d'avoir sauvé mes élèves, je peux vous aider à mourir. Faites-le! Tenez, c'est le poison. Merci. Grâce à vous, je vais pouvoir retrouver ma bien-aimée. Et merci.
va y arriver, foncez l'oreille. Fécamp 8, l'an 5 bis, prise 9. Quelle malédiction! Il y a 100 ans de cela, j'ai été condamné à la vie éternelle. Ouais.